Je vais vous jouer une chanson que je n'ai jamais jouée encore en public comme ça. C'est une chanson de mon dernier album, Les choses défendues. Et voilà, je voulais la chanter ce soir. Voilà, merci beaucoup. Je suis très ému. Il la tient par la gorge, allongée sur la table. Elle a mal. Elle est peut-être encore belle, mais de traces jaunes et bleues lui bandent les yeux. Allongée sur la table. Elle a mal. Il n'a plus le même visage, celui qu'elle a aimé la première fois. Non, ce sont d'autres yeux qu'elle ne connaît pas. Une autre bouche, d'autres doigts qui lui serrent le cou, qui lui font mal. Il la cogne encore un moment et l'hurle encore un moment sur la joue, dans le ventre, derrière la tête. Elle a mal. Et puis il s'enroule sur le sol comme ça. Et puis il gémit et il pleure tout bas, il lui dit qu'il l'aime. Elle a mal. Elle est vivante. Le calme est revenu. Elle est vivante. Mais ça ne se voit plus. Elle ne dira rien. Elle le prendra dans ses bras. Elle ne dira rien. Encore une fois. Allongée sur la table, ses petits poings serrés, comme si elle retenait du sable, elle fixe le plafond, elle pleure sans pleurer. Alors, elle pense à sa grand-mère, à sa peau, c'était tout. Il n'y a pas plus doux qu'une peau de grand-mère, surtout dans le cou. Elle reconnaît ce visage, c'est le même que la première fois. Elle a aimé ce visage, cette bouche, ses yeux, ses doigts. Maintenant elle sourit, autour de son cou, sa petite croix est toujours là. Elle est vivante. Ils pleurent tous les deux. Elle le prend dans ses bras.